Bonjour, aujourd'hui je vous présente des côtelettes de porc sous vide avec champignons mélangés. Pour deux personnes, recette facile. Pour les ingrédients, j'ai besoin de deux côtelettes de porc avec l'os et assez épaisses, environ 8 onces chacune. Sel et poivre au goût, fraîchement moulu. 2 cuillerées à soupe de beurre froid. 160 g de champignons mélangés. Ici, c'est des pleurotes et des champignons de Paris. Un quart de tasse de crème de mûre ou cherry. 3/4 de tasse de bouillon de bœuf. Une cuillerée à soupe de sauce Worcestershire. Et de la ciboulette hachée pour la garniture. Pour la technique, alors je vais commencer par préparer mon Anova, mon thermoplongeur sous vide à 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit. Maintenant, je vais saler ainsi que poivrer sur les deux côtés. Je vais placer mes côtelettes de porc dans un sac pour faire le sous-vide. Vous pouvez le faire de la manière que vous voulez, soit sous l'eau ou comme ici, je le retire avec une pompe. Mon thermoplongeur est arrivé à sa température de 60 degrés Celsius. Je vais le découvrir, je vais ajouter mon sac sous vide. Je le recouvre et je mets une minuterie de 45 minutes. Le 45 minutes est écoulé. Je vais sortir les côtelettes. Je vais les retirer du sac et je vais jeter le liquide de cuisson et je vais assécher les côtelettes. Je vais maintenant faire fondre une cuillerée à soupe, la moitié du beurre. Moyen fort, et je vais faire revenir les côtelettes pour les faire dorer environ 1 minute chaque côté. J'ai retourné mes côtelettes juste pour les faire dorer. Je retire mes côtelettes et je vais les réserver au chaud. J'ai remis la poêle sur le feu. J'ajoute les champignons et je vais faire revenir 2-3 minutes pour les faire amollir. J'ajoute maintenant la crème de mûre et je vais vraiment déglacer. J'ai une poêle anti-adhésive, alors il y a moins de sucre qui va rester collé. J'ajoute maintenant le bouillon de bœuf, ainsi que la sauce Worcestershire. Je vais mettre à moyen, cuisson moyen, feu moyen, et je vais laisser épaissir un peu, légèrement. Alors, je retire du feu, donc j'éteins le feu. Je vais ajouter la moitié du beurre et je vais émulsionner le tout, bien brasser. J'ajoute l'autre moitié du beurre. Je continue à brasser pour épaissir la sauce. Je vais saler, poivrer. Je vais bien brasser et nous allons au service. Nous sommes maintenant au service. Je vais déposer la sauce aux champignons sur le dessus. Et je vais garnir de ciboulette. Et comme dirait Julia Child, bon appétit!